Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le Steam Deck et cette fois-ci, on va découvrir ensemble Saga of Sins. Donc, c'est un jeu qui est développé par Bonus Level Entertainment. C'est distribué par Just for Games. C'est disponible sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Xbox One. C'est un jeu d'aventure style RPG en 2D et le prix est plus ou moins de 40 euros selon la plateforme sur laquelle vous voulez l'acquérir. Donc, je tiens à remercier Thibaut et Just for Games de m'avoir fourni un code et me permettre ainsi de vous le présenter. Donc, on va lancer le jeu tout de suite. Tac. Donc, le Steam Deck, les options sont mises en 60 FPS. Comme vous pouvez le voir, le jeu est en français, avec une petite bande son bien sympa. Allez, on va lancer ça tout de suite. Donc il y a les paramètres, les crédits, mon paramètre audio, les graphismes. Ici, il y a le mode qualité et performance. Donc, performance pour le nombre d'images secondes. On va le laisser en qualité. Langue française, évidemment. Tac. Donc, on va faire commencer. Et vous voyez, j'avais testé pour voir si le jeu se lançait bien parce que c'était pas sûr et certain que c'était compatible avec le Steam Deck. Donc, on va faire une nouvelle partie. Tac. Et on va le laisser en normal. Je suis un peu enrhumé, donc désolé si vous entendez que je parle bizarrement. Il y a beaucoup de blabla dans le jeu, donc vais quand même vous laisser l'intro. Prologue, le retour de Cécile. Cécile, ma fille. Bluefall, you're still here. You got pulled, my friend. Vous allez avoir beaucoup de blabla comme ça pendant le jeu. Enfin, du moins au début, moi je l'ai testé quoi, 10 minutes. Here, this is all that's left of my supper. Mais graphiquement, le style graphique me plaît beaucoup. On dirait un petit peu, c'est de la 2D, mais on dirait un petit peu des fresques comme il y a sur les vitraux des églises, etc. Je trouve ça assez joli. Donc on est à la chapelle, mais vous restez ici pour le moment. Y a même un petit effet de vitrail comme ça tout autour de l'écran. Je sais pas si ça se verra fort en vidéo, enfin quoi que dans la capture, là je vois que ça se voit, donc je trouve ça assez joli, assez stylé. Master Ulrich, it is good to see you again. Cecile, you've arrived not a moment too soon. Apologies, Master.
The holy waters have left me worse for wear, and traveling no longer comes easily. How are you expecting me? I received word your campaign has ended. I anticipated your return would soon follow. We are blessed to have you back, Cecile, after all this time. I sense change in your eyes. You have learned much in your time away. I've learned to appreciate peace. I hoped to find it here. Word of the disease that plagues Sinwell reached me before I reached you. By now you're well aware. It is not always. Donc évidemment, vous, comme vous verrez la vidéo, vous pourrez avancer pour zapper les textes. Mais au moins comme ça, je la laisse pour ceux qui veulent. La porte est verrouillée. This plague seems to weigh heavy on Master Ulrich, but I feel something greater. Heavens, a proper bed. I swear. Voilà, on va se reposer. Embrace what comes, seeker of serenity. Do what you believe. Do what you must. Above all, question the path set before you. Allez, chapitre 1, Genèse. Ce rêve était bien plus étrange que d'habitude. Le solstice s'est levé. Maître Ulrich doit m'attendre, je ferai mieux d'y aller. La soirée a été arrosée, on dirait. Il bloque la porte. Impossible de passer tant qu'il sera dans cet état. Ce soir, Simuel a commémoré sa création. L'ambiance était bonne, c'est déjà ça. J'espère que tu as bien dormi. À peu près. Mes rêves sont agités en ce moment. Prends garde. Bien des merveilles m'ont été révélées dans mes rêves. Mais le messager n'est pas toujours été divin. Maître Ulrich, j'aurais aimé avoir le temps de discuter de ces aides, de tes expériences durant la croisade, Cécile. Il y a tant de choses que j'aimerais savoir sur ton voyage en Terre Sainte. Mais nous devons nous occuper de ce fléau sans tarder. C'est écrit un peu petit, hein. Des fois, c'est pas toujours évident de lire. Mais ça va, la police d'écriture qu'ils ont choisi, c'est quand même... ça va, c'est pas non plus un truc illisible. Je suis d'accord, mes histoires peuvent attendre. Que sait-on de cette peste? La peste noire ne s'est pas abattue que sur Simvol. D'autres villages en souffrent aussi. Nous devons mettre un terme à cette malédiction dans l'intérêt de notre peuple. Nous devons l'empêcher de se répandre. Tu as vu bien des choses durant ton pèlerinage, Cécile. Tu as vu de tes yeux dans quel malheur le péché a plongé le monde. C'est le péché qui a attiré la peste sur ce village.
et ce n'est qu'en le purgeant du péché qu'on le sauvera. Que voulez-vous que je fasse? Tu dois libérer notre peuple des 7 péchés capitaux. C'est le seul moyen. Mais comment suis-je censé faire cela? Bien des gens seront réticents à se confesser ou à se repentir. Tu as raison, il faudra plus que le sacrement de pénitence. Non, Samuel est trop gravement atteint et les méthodes conventionnelles ne suffiront pas. Prends ce fragment de verre et par le vitrail de notre chapelle. Je t'expliquerai en temps voulu. Voilà. Je vais rester ici. C'est ici alors qu'il y a un truc à réparer. Ah, ici. Ah oui, mon Dieu, c'était flagrant en plus. Réparer le vitrail, oui. Un loup-garou, quelle créature effrayante. Je me souviens d'en avoir vu un dans mon enfance il y a longtemps, hanter mes cauchemars. Pourquoi Maître Ulrich veut-il réparer ce vitrail? Je ferais mieux d'aller le retrouver. Ben, en même temps, il n'est pas loin. Hein. L'icône du loup-garou orne à nouveau notre chapelle, même si je ne vois pas en quoi cela peut nous aider. Le festival d'hier soir révélait l'emprise de la gourmandise sur certains habitants. Ouais, ça pourrait être aussi sur moi, gourmandise. Drom est clairement devenu un ivrogne. Il a ingurgité nos dernières réserves de vin de messe. Oh, enfoiré. À toi de donner l'exemple en vainquant les démons et leur emprise sur le pécheur. Tu dois entrer dans son esprit, Cécile, pour en extraire le péché. Entrer dans son esprit, mais comment faire? Il existe des mystères sacrés et des sacrements que même les plus sages des érudits ignorent. Je te montrerai comment pénétrer dans leur esprit, mais prends garde. Quiconque entre dans l'esprit d'une autre personne sera perçue comme une entité hostile. L'esprit du pécheur te verra comme un démon et rien d'autre. C'est pour cela que vous m'avez demandé de réparer le vitrail? Absolument. Tu apparaîtras dans l'esprit des villageois sous la forme des monstres qu'ils voient sur les vitraux de la chapelle. Et ils te combattront par tous les moyens. Comment sommes-nous arrivés là, Maître Ulrich? Ce village était autrefois un sanctuaire peuplé de gens bons et fidèles. Mon attention s'est relâchée au fil des années, laissant toutes sortes de vices s'installer ici. Nous devons libérer notre peuple de ses péchés, Cécile. Ce sera brutal, mais nous n'avons pas le choix. Reviens me voir lorsque tu auras purgé la chapelle de tous les pécheurs. Je comprends, je ferai de mon mieux. Le premier vitrail est reconstitué, la créature associée au loup-garou est débloquée. Son redoutable triple tir offre une longue portée et s'enchaîne avec rapidité. Hurlez à la lune et émettez une fréquence brisant le verre fissuré pour révéler vos secrets enfouis. Il suffit de maintenir les commandes d'attaque enfoncées sans bouger. Comme toutes les créatures démoniaques, les loups-garous peuvent effectuer des doubles sauts, il suffit d'appuyer sur la touche de saut une fois en l'air. Il vous faut un total de 2 fragments de verre pour réparer ce vitrail. Ben oui, mais c'est pas ça que je veux faire. «
J'ai le crâne qui va exploser, laisse-moi tranquille. Nous y voilà, j'espère que je ne vais pas regretter d'avoir accepté cette mission. Pardonne-moi, Brom. Clac, le méga sprint peut être déclenché dans 8 directions. Ah, ok. Hurlement de révélation. Maintenez les commandes d'attaque sans bouger pour briser les murs fissurés. Ouais, la gourmandise avec tous ces cochons qui s'en foutent plein l'oignon. Méga sprint disponible. Félicitations, vous avez tué 4 ennemis, rempli votre compteur de sprint. Vous pouvez maintenant déclencher votre méga sprint. L2 ou R2, ok. Colombe de sprint obtenue. Une colombe de sprint remplit instantanément votre compteur de sprint, ce qui vous permet de déclencher Mega Sprint en appuyant OK. Oufti. C'est pas mal quand même. J'aime bien ce style graphique qui font un petit peu décor de vitrail, de vitraux là. Est-ce qu'on peut. On peut pas tirer vers le haut? Doublez votre or en tuant des ennemis dans un méga sprint. Ok. Yes. Excellent. Récupère les cœurs pour l'énergie. Je pensais que ça aurait fait quelque chose au truc, mais non.
Au petit nom de Dieu. Franchement, elle est chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais qu'est-ce que c'est par style? Et qu'en est-il de ta propre âme immortelle, fidèle Cécile? Ces pauvres damnés valent-ils la peine que tu abandonnes pour les sauver? Eux qui sont moins méritants que toi. Mais comment suis-je arrivé ici? J'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar. C'est ce que j'aurais cru. D'ailleurs, si je n'avais pas ramené cet étrange fruit trouvé dans l'esprit de Brom, qu'est-ce que c'est? Peut-être que Maître Ulrich pourra m'éclairer, mais ma mission n'est pas encore terminée. Maître Ulrich m'a parlé de débouchés ivres à proximité de la chapelle. Arbre de compétences débloqué, faites un don d'or à la statue pour recevoir des précieuses améliorations. Ok. On améliore le triple tir du loup-garou. Augmente votre vie. On peut pas encore le faire. Bon. Et le dragon et ses anges ripostèrent, mais il n'était pas assez fort, et le puissant dragon, ce serpent ancestral, fut projeté violemment. Bon, ça sera certainement pour après. Désolé. Là maintenant, je peux y aller à mon avis. C'est super joli les décors. Tu t'avais dit, Gludwin, va me chercher du vin au... Dégage de ma rue, ou dégage de ma rue. Tu vendrais ton âme pour une goutte de ce raisin maléfique, mais as-tu pensé à ton fils?
Ta famille ne te pèse-t-elle pas sur la conscience? Il réagit à peine. Il est de nouveau temps, à mon grand regret. Ouais, ça va pénétrer dans son esprit. On va lui faire sa fête. Vous pouvez l'activer. Ok. Ouh. Un petit passage secret aussi. Pas que tuer des ennemis avec un méga spring doublera votre or. Bah ouais, je sais bien, mais. Savoir quel danger vous guette, il suffit de maintenir. Ok. Merde. Ah merde. Heureusement qu'il y a le checkpoint. Boulette hein, quand même. Heureusement, il y a des cœurs. Ben franchement, une très bonne surprise, hein, ce jeu en 2D. Un petit côté Castlevania. Avec des jolis graphismes. Ça me plaît. Je me l'achèterai certainement par la suite en version physique. Sans doute sur Switch ou peut-être PS5. Par contre là je suis un petit peu bloqué par où je dois aller. Ah, c'est la fin du niveau, ça à mon avis, non? Ben merdouille.
Il faut retourner par ici, par la droite. Ah bah non. Ah bah là, je suis bloqué. Ah, il y a peut-être... Mais pourtant, je les avais tués, ceux-là. Ah, merde! Ah, ça va, je l'ai pas vu venir. Là, je retourne en arrière et tous les ennemis sont de nouveau là, donc à mon avis, c'est pas par là que je dois aller. Mais bon, ça fait déjà 32 minutes qu'on est ensemble, les amis. Yep. Je vous propose qu'on en reste là pour cette superbe découverte. Franchement, un jeu qui me plaît bien et que je me procurerai certainement par la suite en version physique, donc soit sur PS5 ou sur Switch, je verrai bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, ne fût-ce qu'un petit coucou, ça fait toujours super plaisir. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. Et n'hésitez pas également à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir qu'on a de nouveaux abonnés, de nouveaux passionnés qui arrivent sur la chaîne. Voilà, je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Jouez bien. Ciao, ciao.